Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le... on est le 15. On est le 15 juillet, je vais me pousser de là parce que Mathieu est en train de fermer les volets après ma puce voix. J'espère que vous allez bien, nous aujourd'hui. Tout le monde va bien. Je suis désolée pour ceux que ça dérange quand j'ai quelque chose dans la bouche, mais c'est mes médicaments anti-allergie. Donc là c'est mon Rinalgy. Avant d'aller à la pharmacie pour éviter d'être aussi mal que ces derniers jours. Voilà, je l'ai retrouvé, donc j'en ai pris. Ce matin, parce que là on est le matin, oui je suis déjà prête, je suis déjà lavée, je suis coiffée, j'ai lavé mes cheveux. Ce matin j'ai pris du temps pour moi et ça m'a fait beaucoup de bien, donc je suis déjà prête. Et ce matin, on va pas procrastiner, on va sortir un petit peu. Là on va aller à Action chercher les 2-3 trucs qu'on a besoin pour les vacances. Comme ça, cet après-midi, on aura le temps pour faire les courses parce qu'on a plein de choses à faire. Voilà, puis il faut qu'on aille à la pharmacie, etc., etc., comme je vous l'ai dit hier. Donc, let's go, on va aller récupérer les filles dehors puisque les filles sont en train de jouer dehors. Et en même temps, on va quitter ce vacarme. Alors vous, je ne sais pas si vous entendez, mais en fait, ils sont en train de refaire la route juste en face chez nous. Et du coup, le camion, dès qu'il avance, fait tutut, tutut. Voilà, il fait ça toutes les 30 secondes, même pas. Et ils font un bruit de fou. Donc autant vous dire que Roxane va être dans tous ses états. Parce que c'est très énervant le tout-tout. Au bout de je sais pas combien de fois là. Et le bruit, franchement, c'est une catastrophe. Donc autant qu'on aille se balader. Hein, et puis let's go, on vous prend avec nous. Allez, let's go. Petit tour du matin. T'as vu, t'as toujours tes tresses toi. Hein, ouais. Ça tient bien. Hein. Bon là, en plus, j'ai pas remis d'eau, j'ai pas remis de gel. Donc les cheveux partent un peu dans tous les sens. Mais ils tiennent bien encore, moi, je trouve. Hein. Ouais, franchement, nickel. Ici, un peu, c'est un petit peu parti. C'est un peu détendu. Ouais. Ah bah, c'est les tresses du côté. Hein. Et vous avez même pas vu, les amis, mais j'ai tressé Roxane. Je vais essayer de vous la montrer. Roxane, ouais. Fais voir tes tresses. Oh, wow. C'est qui t'a fait ça? Maman? C'est maman? Oh, elle est gentille, cette maman. Oh, oui, qu'a dit en plus. Ouais, ça va, elle est sympa. Ouais, elle est sympa. Attention au poteau. Hein. Allez, direction le magasin. Faux petite caisse. Je crois que c'est dans les parages. Ça doit être une... Comme ça, je pense. Ouais, je dirais ça. Il me semble que c'était ça que j'avais. Ouais, je dirais ça. Ça, c'est très utile cette chose. Il me faut de la lessive. Il n'y a plus la mienne. Et ben, je vais essayer celle-là. Elle me parle bien. J'ai envie d'essayer celle-là. 85 lavages en plus. Pour le camping, c'est pas mal ça. On va prendre ça. Je sais pas le prix. Mais... Ah ouais, c'est vrai. Je pensais que c'était ce bruit, mais non, en fait. C'est marqué 50 lavages. Alors, ouais, non, c'est pas, cette, c'est pas ce prix. Je sais pas. Et il me faut de la soupline. Bah celle-là, elle est pas mal en fait. C'est celle que j'ai pris. Oui, tout à fait. Et elle est pas mal. Je prends juste pas de billes parce que au camping, on va pas s'en servir. On met pas des billes dans la machine parce qu'on a peur que ça la bouche et puis ça laisse des résidus. Donc on prend pas de billes. On prend juste soupline lessive, ça sera déjà pas mal. T'as vu le petit barbecue, il est rigolo. Ouais, le petit barbecue de table. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est de table, mais... Il est rigolo en tout cas. Les sangles. Pour tenir les trucs dans la caravane, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça. Bah, dans la caravane et puis le congé vu qu'il sera dans la voiture. Quoi. Ah oui, c'est vrai. Du coup, t'en prends un ou t'en prends deux? Un seul me suffit parce que j'ai déjà ceux de la caravane. Donc un seul me suffit. Ok. Ça doit être dans le rayon d'à côté, je pense. Il n'y a pas un pas de patron là-dedans là? Tiens, regarde, elle voulait un maillot pas de patrouille, Roxane. Et les pyjamas lui vont bien. Là, c'est un 122-128. Ah, tu veux des correspondances? Oui, s'il te plaît. Regardez. Alors. Regarde, c'est un pas de patrouille. Mais c'est pour la piscine. Oui, est-ce que tu voudrais ou pas? Ah oui, j'adore la piscine. T'adores la piscine? Attends, on regarde si c'est la bonne taille déjà. Oui. Oui, c'est la bonne taille, papa. Elle a dit papa, ça. Non, hein. Attends, papa il regarde d'abord. Alors. C'est 122-128, mais je crois que c'est ça. J'attends.
Alors 122, c'est 7 ans, 128, c'est 8 ans. Oui, c'est ça, alors. Normalement, c'est ça. Ouais. Parce qu'elle a mis du 7 ans. Voilà. C'est bon, tu peux le mettre dedans. Donc, avant que je m'arrête pour les maillots de bain, je disais que ça doit être l'autre rayon, parce que là, en fait, on cherche tout ce qui est pansement, mouchoir, etc. Je crois que c'est de l'autre côté. On va regarder ça. Mouchoir, je vois pas pourquoi. Hein. Personne a des allergies ou quoi. Hein. Aucune idée, comme dirait Roxane. J'ai trouvé le rayon petit élastique. Roxane, il faut des petits élastiques pour les tresses. Est-ce que tu en vois? Non, il y a non moi non plus, j'en vois pas. Il n'y a que des barres à être, t'as raison. Regarde, j'ai trouvé. Oh oui, tu vois? T'as vu? Pas mal pour les tresses. Pansements. Alors là, c'est pour la maison, parce que dans la caravane, on en a. Il me faut des pansements. Alors, c'est pour la verrue de Yaya. Donc, c'est ceux-là. J'en prends deux direct. Oui. Et il faut du sparadrap. Mais je crois pas qu'ils en aient ici. Hein. J'en vois pas. Je vois pas de sparadrap. Hein. Et voilà, la section action. Section action, ouais. C'est fait. On est tranquille, on a pris ce qu'on avait besoin, bah, à peu près tout. La seule chose que vous n'avez pas vu, c'est les mouchoirs. On a pris les mouchoirs, j'ai pris deux boîtes de mouchoirs à prendre comme ça et un paquet de mouchoirs individuels pour pouvoir mettre dans le sac à main. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a pris en plus. Le reste, vous avez tout vu, je vous ai tout filmé parce qu'il n'y avait pratiquement personne dans l'action, donc c'était plus pratique. Voilà, donc direction la maison là. Ouais. Faut peut-être chercher du pain. Ah. Parce qu'on n'a plus que des bouts de pain à la maison. Et puis toi, t'aimes pas trop. Il faut peut-être du pain pendant qu'on est à côté. Ah, j'y mets ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas. Tu veux quoi? Je sais pas. Bon, Mathieu est parti au pain et j'étais en train de lui dire, vu qu'on est à côté, on va passer à Intersport aussi. Comme ça, on va faire les chaussures pour Roxane, ces petites chaussures, vous savez, les trucs hyper souples, qui a quasi pas de semelle, mais c'est juste pour aller dans le sable, parce que Roxane n'aime pas le sable chaud, elle n'aime pas le sable mouillé, elle aime pas, enfin, elle aime pas, quoi, voilà. Donc du coup, l'année, ça fait 2-3 ans même qu'on lui achète ces petites chaussures-là. Donc là, on va aller à Intersport. D'habitude, on les achète sur place, mais là, pas envie de les acheter sur place parce qu'on va acheter ça une blinde. Donc on va aller directement à Intersport là à côté et puis lui trouver des petites chaussures pour pouvoir aller dans le sable sans que ça lui la dérange au niveau des pieds. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Hein. Et on va voir. Papa, il a demandé au monsieur. Du coup, on va voir ce que le monsieur nous propose. Je crois qu'on est passé devant. Parce que papa, il nous a fait comme ça. Donc ça veut dire que... Ah, c'est par là. Ah, bah oui, c'est ça. On est passé droit devant, quoi. Bleu ou rose, Roxane, bleu ou rose, les chaussures? Bleu. Bleu, papa. 28, je crois, c'est plutôt. J'ai trouvé... T'as trouvé 28? Non, je cherche. 26, 27, 26. Il ne va pas y avoir sa taille. Je vais être indiqué où la taille est dedans. Là. Mon chum a l'air grand, ça. Ouais. 24, ah, sinon, il essaye 29, mais... Non, j'ai 20. Non, j'ai vu 29. Vas-y, mets ton pied. Allez, vas-y, enfonce. Elle est au bout oui, ou pas? Oui, elle est au bout. Ah, t'as grandi des pieds, ma poule. Ouais, donc 31 alors? Bah ouais, non, 30. 30, ça suffira? Ouais. Bah, on va essayer. Alors là, c'est du 30. Non, on va pas s'essayer. On va juste aller les payer. Pourquoi tu veux juste payer? Si on n'essaye pas, tu vas avoir mal aux pieds. C'est un peu comme ça. C'est ton pied, ça? Oui. Alors, 31. Fais voir. Bah. Ouais, comme ça tu pourras les mettre dedans. Bonjour. Bonjour. N'hésitez pas si vous avez besoin. Oui, merci. C'est ton pied, ça? Alors? C'est un peu large là-haut. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Et tu peux serrer ou pas? C'est pas mal là. T'aimes bien? Ouais, c'est pas mal. T'aimes bien?
Hein? C'est grand au niveau du tonnerre. Ah bah sinon on prend 30, hein. Non, on peut prendre 30. Bon, on va prendre 30. On va prendre celle-là. Parce que 31, c'est large de derrière, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Elle est en train de remettre sa chaussette. Non, pas de chaussette. Non, je n'ai pas besoin d'aide. On t'attend, on t'attend. C'est une nouvelle collection. Ouais, c'est les shorts de bain. Ouais, ça fait un style. T'as le talon devant, mais bon, c'est pas grave. Ça a été mis toute seule, même. Tu veux prendre tes chaussures? Ouais. Ouais, comme ça t'auras pas mal aux pieds dans le sable. Ouais, casse-à-moi, c'est mes chaussures, j'ai oublié. Fais voir tes belles chaussures. Montre-moi. Oh là là, une vraie youtubeuse, dis. Waouh. Ben voilà. Hop là. C'est fait. On est tranquille. Elle a ses petites chaussures. On sait qu'elle va les mettre tout le temps. Parce que des fois, même dans la rue, elle a ses chaussures-là. Bon là, vous me direz, elle est toujours en claquette. Hein. Depuis qu'on y a acheté ses claquettes Chase à Action, elle les lâche plus. Ouais. Même quand il pleut, elle est en claquette. Claquette chaussette, c'est la vie. Elle est comme sa mère. Allez, on retourne à la maison. Ouais. On va aller préparer à manger, ouais. Bah toi, tu vas manger probablement de la purée, parce que nous, on va manger de la salade. Bah, je sais que t'aimes pas la salade. On est rentré, il fait super bon à la maison. Dehors il fait chaud et du coup à la maison on avait tout fermé. Il fait hyper frais, hyper agréable. On est content. Les travaux se sont arrêtés en plus, donc c'est bien. Enfin, c'est pendant qu'un petit temps, mais bon, c'est pas grave. Ça nous repose déjà pendant ce temps-là. Arroser ma plante parce qu'elle a l'air d'avoir un peu soif la mémère. Du coup là on va passer à table. À midi je pense, comme disait Mathieu, on va faire un peu les restes parce qu'il nous reste de la mâche, il nous reste des tomates cerises, il nous reste du gruyère, vous ne me voyez plus avec le changement. Il y a des olives, ouais, des carottes, il y a du jambon, il y a du cornichon. Ouais. Ça va pas nous nourrir avec cornichon, mais... Ouais, il y a de quoi faire un repas. Donc on va bidouiller tout ça. Et faire un petit quelque chose. Bon, nous avons mangé. C'est une bonne chose. Maintenant, on va prendre le petit coffee time sur la pseudo-terrasse qui n'est plus une terrasse. Mais quand même, ça nous sert un peu à ça. Donc j'ai pris mon petit café et puis on va aller se poser tranquillement en espérant que les travaux ne nous gênent pas trop. Parce que là, ils ont gratté vraiment toute la route devant chez nous. Mathieu, tout à l'heure, est descendu vite fait en voiture. Il m'a dit c'est le bazar en bas. Donc voilà, c'est pas grave. On verra. Là, on va prendre notre café et puis après, on va faire la liste de courses. Bon, je vous avoue que la liste de courses va être vite fait parce qu'ils annoncent des grosses chaleurs cette semaine. Donc, on s'est dit avec Mathieu qu'on allait manger salade de poivron, melon, concombre, salade de riz. D'ailleurs, on n'a pas fait à sa niçoise. Ouais. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'on va faire, des choses assez simples, assez fraîches, pas trop lourdes, parce qu'on va manger beaucoup dehors, je pense. Voilà. Bon, allez. Prenons notre petit café. Roxane! Maman va ranger ce qu'on a acheté tout à l'heure au magasin dans la caravane. Tu veux venir avec moi? Ah oui! Ah oui! Tu poses le téléphone, comme ça on range toutes les deux? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais? Hop! Oh, c'est lourd! Tu prends les clés de la caravane, toi? Ouais, les clés de la caravane! Allez, vas-y, prends les clés. Allez, c'est bon, t'as les clés? Oui. Allez, on y va. Attends, tu veux bien fermer la porte derrière maman, s'il te plaît? Parce que regarde, maman, elle a le sac dans les mains. Merci, mon chaton. Attends, tu mets tes crocs? Oui. Vas-y. Allez, hop, on y va. Oh, attends. Hop là. C'est vrai, on peut y aller. Hop, je te suis, hein. La 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 la. C'est toi qui ouvre la caravane? Ah oui. Bah vas-y, parce que c'est lourd, hein, mon sac. Oui, mais c'est vrai, un lézard. T'as vu un lézard? Oui, il a marché, on voit avec des crabeaux. Ah ouais,
D'accord. Ils ont cassé la route pour papa en vacances. Ouais, ils ont cassé la route, ouais, c'est vrai. Hop. Tiens, accroche. Yep. Oh, raté. Raté. Encore une fois. Encore une fois, ouais. Attention. Hop. Zou, est-ce qu'il fait chaud? Oui. Oui, il fait un peu chaud, hein. Hop. Roxane? Tu veux bien me donner là-haut, dans le placard, là? Vas-y, monte debout. Hop, tu ouvres le placard, ici. Celui-là. Est-ce que tu veux bien me donner, regarde, ça, là, ce qui est ici. Tu veux bien me donner, attention à ta petite tête. Vas-y, tu passes. Là, ça. Tu veux bien me le donner? Toutes les brosses à dents, les mets dedans. Ouais, vas-y, en a encore une. Ouais, celle-ci. Vas-y. Et la petite bouée là. Ouais, et normalement il y a des petites bouteilles vertes. Tu les vois? Ouais, elles vont. Vas-y, tu les mets dedans. Et voilà. C'est bon, il n'y a plus rien? Oui. Alors attends, hop. Attends. Hop là. Oh, attention les doigts. Hein. Mmh. Regarde Roxane. Oui. Regarde le beau maillot. C'est qui dessus? Marcus! Non, c'est Stella. Ah, c'est Stella? Ah bah, du coup, ça, on va le mettre dans ta petite pochette ici. Ouais. Tu vois, regarde, on met le maillot de bain comme ça, regarde, trop facile. Plouf! T'as vu? On mettra les maillots de bain Roxane ici comme ça. Est-ce que ça te va? Bah, oui. Ouais. Ensuite, on a quoi? C'est quoi ça? Ça? Ouais, c'est quoi? Ouais. Pour faire comme ça. Ça sert à quoi? Des mouchoirs. Regarde, maman, elle en a pris deux grosses boîtes. On va les ranger. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a les sangles pour papa. Du coup, on va les mettre avec les autres qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a des éponges pour faire la vaisselle au camping. Ouais. Ouais, t'as vu, elles sont belles, hein? Elles sont grosses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Les élastiques pour les tresses. Les élastiques pour les tresses, ouais. Ça, c'est quoi encore? Encore les mouchoirs. Encore les mouchoirs pour maman. Tac. Ensuite, on a un gros bidon de lessive. Pour la vaisselle pour le papy. Pour la vaisselle? Non, ça sert à quoi la lessive? C'est pour le... Hein? Le... Pour le... Laver les habits. Pour laver les habits, voilà, exactement. Et ça, c'est la soupline, c'est pour que ça sente bon. Donc hop, ça, on va ranger ça aussi dans les toilettes. On a une petite pile pour papa pour la télécommande. Et on a, que je ne vous ai pas montré, j'ai trouvé des petits élastiques Invisibubble. Il paraît que ça coûte une blinde, ça, en plus, cette marque-là. Et là, c'est pas des élastiques que en accordéon. Regardez, ils sont trop beaux. Celui-là, il est rose gold. Là, il ressort un peu marron, vous. Mais en vrai, il est un peu rose gold. Il est trop joli. Et j'en ai un comme ça. Tac. J'adore. Il est trop beau. Vous savez à quel point j'ai tout le temps les cheveux en chignon. Donc, je me suis pris ça pour éviter d'abîmer mes cheveux. Parce que je vous avoue que je n'arrive pas à avoir les cheveux détaché. Tout le temps je dis je vais arrêter d'avoir les cheveux attachés, c'est pas bon, mes cheveux à la force ils en peuvent plus, etc. Vous me voyez même plus, c'est une catastrophe. Voilà. Et je n'arrive pas. Donc là je me fais les maîtresses, donc je sais que là ça va à peu près. Mais il faut que j'arrive à faire attention à mes cheveux. Donc vous voyez, dedans c'est les élastiques à spirale, mais en fait ils ont mis un chouchou par-dessus. Et... voilà, et du coup il n'y en avait que deux paquets. Bon, c'était deux fois les mêmes, donc du coup j'en ai pris qu'un paquet. Mais vraiment, s'ils sont trop bien, je reprendrai d'autres. Voilà, j'ai vidé mon sac, donc maintenant. J'ai fait tomber tout, manger cet X. On va remettre là, le truc. C'est bon, Roxane, ou pas? Est-ce que tu crois que papa il va me compter parce que j'ai fait tomber chez cet X? Ou pas? C'est flou. Non. C'est caca. Je suis flou toujours. C'est bon, regarde, il est réparé. Chut, ça sera un secret. Donc je disais, avant d'avoir fait tomber tout mon G7X, que je n'ai plus qu'à ranger les mouchoirs, les sangles, la pile, les élastiques, les trucs. Comme ça sera rangé, ça traîne pas à la maison. Et puis il faut que je range ça aussi.
C'est à qui ça? Bah, Roxane, c'est à qui ça? Ça, c'est les petites chaussures de Roxane, c'est celles qu'on a achetées tout à l'heure. Vous avez vu, elles sont trop jolies. Donc ça va dans l'eau et tout, hein. C'est trop pratique. Donc elle peut aller dans la mer, enfin pas dans la piscine parce que je suis pas fan, mais elle peut aller dans, enfin si l'eau de la mer vient sur ses chaussures, c'est pas grave. En plus ça sèche en 2 secondes 6 sous. Franchement c'est trop bien, on les a payées 9 balles. Franchement, si vous avez des enfants qui supportent pas d'avoir les pieds sur le sable chaud ou qui aiment pas tout ce genre de texture, c'est bien plus confortable que les méduses en plastique qu'on avait quand on était gosse et qui faisaient mal aux pieds, qui nous faisaient des cloques. Ça c'est mieux. Bon allez, je range parce que Mathieu va me dire t'as mis 3 plombes à ranger, qu'est-ce que t'as foutu? Voilà. Bon, lui il est en train de faire le drive, hein. On a fait les menus pour la semaine. Franchement je suis trop contente parce qu'on les a fait très très vite. J'avais pas mal d'idées, Mathieu en avait aussi, donc ça a été super vite super vite pour faire les menus, donc tant mieux. Je viens d'ouvrir les toilettes, vu que maintenant il y a la moustiquaire, je peux ouvrir sans que j'aie peur que les bêtes rentrent. Ça fait un grand courant d'air, ça fait trop du bien. Là il fait combien dans la caravane? Alors de là je vois rien, je dirais qu'il fait, alors c'est in ou c'est out ça? Alors dans la caravane il fait 33 et en dehors il fait 28,3. Mais je pense que c'est l'inverse en vrai. Parce que là, j'ai pas si chaud que ça hein, dans la caravane. Je sais pas en fait. Mais ça va, il fait pas trop trop chaud. Bon, on a l'orage qui commence à gronder bien comme il faut. Évidemment, il faut qu'on aille faire les courses. Donc c'est normal. On a fermé tous les volets, mais on a laissé les fenêtres ouvertes pour faire un peu d'air frais dans la maison. Toutes les filles, y compris moi, on a enlevé nos shorts et on a mis un pantalon et on va faire claquettes chaussettes, ça ira très bien. Mais pas en short si on se prend une saucée, voilà, vaut mieux. Donc on a mis le pantalon, j'ai enlevé le débardeur, j'ai mis un t-shirt. Et puis je vais prendre juste une petite veste au cas où il se mettra à pleuvoir. Mais c'est tout. Donc là on va aller faire les courses. Je vais tourner le retour de course aujourd'hui, mais vous l'aurez pas demain, vous l'aurez le jour d'après. Parce que demain, pour moi, vous aurez ce vlog. Et le jour d'après, vous aurez le retour de course. Vous aurez un jour de décalage en fait. Comme ça, moi demain, j'ai pas besoin de faire de vidéo. Et c'est bien aussi, ça me repose aussi un peu. Parce que bah, ça prend du temps de faire des vidéos tout le temps. Donc du coup, ouais, je vais faire les deux vidéos. Enfin, le vlog d'aujourd'hui et le retour de course. Mais vous l'aurez en décalé. Il me manque une claquette. Oui, je sais, je renifle tout le temps. Pourtant, demandez à Mathieu, je ne fais que ça de me moucher. Je fais que ça. Mais j'ai pourtant le nez qui coule tout le temps. Bref. Allez, on va faire les courses. On fera après, c'est pas grave. Bon, on est dehors. On est côté route parce qu'on regardait la route complètement grattée. Et en fait, on regarde les voitures parce que ils ont vraiment gratté la route. Et genre, il y a la route grattée. Il y a la route grattée et l'ancienne route. Et du coup, il y a bien un trottoir haut comme ça. Hein. Du coup, ça fait un gros trottoir. Oh, quoi. Oui. Et en fait, les gens, ils arrivent à toute bourlingue. Tout à l'heure, il y a une voiture là. Ça y a fait mal en dessous de la bagnole. Hein, parce que vu comment ça a frotté, bof, bof, bof. Hein, donc, c'est moyen. Ils ont même pas mis un panneau, rien. Bah, ils l'ont mis juste là. Hein, de nuit. Oui, mais de l'autre côté, il n'y en a pas ceux qui remontent comme ça. Bah, si, peut-être plus loin là-bas. Bah du coup je trouve ça hyper dangereux, sachant que la nuit les lumières ne fonctionnent pas. Les gens ils vont arriver à toute bourlingue, on va entendre toute la nuit. Bah, ça, c'est sûr. Catastrophe. Bref, on a l'orage qui est en train d'arriver, ça se voit bien derrière, il fait hyper lourd là. C'est trop bizarre, mais bon, c'est comme ça. J'ai eu ma petite Mimi au téléphone, puis pendant que j'avais ma petite Mimi au téléphone, je me suis occupée un petit peu de mes géraniums parce qu'ils avaient très très soif. Malgré la pluie qu'on a, ils avaient très très soif, je sais pas, ils boivent pas, je sais pas ce qu'ils font. Et puis en même temps, j'ai enlevé toutes les feuilles marron là qui sèchent et tout ça. Je me suis occupée du coup de ce géranium là, celui-là qui est là et des deux qui sont là, qui sont à la base tous les géraniums roses. Ça bug un peu là. Tous les géraniums roses, donc celui-là par terre et celui-là là sont le même géranium que j'ai défait au fur et à mesure. J'ai multiplié le géranium et je me suis dit, ouais, bouturé, voilà. Et je me suis dit, l'année prochaine, j'en mets un là, mais j'en mets un jaune. Parce que là, j'en ai des roses et j'en ai un rose clair, mais j'aimerais une couleur pour autre, ouais, pour aller avec tout ce parterre de fleurs qu'on s'occupe super bien. D'ailleurs, je vais vous le montrer un peu. On a la voiture à Mathieu qui nous gêne un peu, mais tout ça là, ta 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 ta, vous voyez, tout ça là, oui,
le bel hortensia, il est magnifique celui-là, il est trop beau. Et là, tout ça, c'est nous qu'entretenons. Je vais vous montrer l'autre côté qui n'est pas entretenu. Là, on a le côté où ils s'en foutent. Ah, c'est vrai. Ça, c'est le côté où on s'en fout pas, où on fait attention. Où le jardinier, du coup, il est tranquille parce que c'est nous qui gérons. Puis on a le côté où le jardinier, il s'en occupe pas. Et du coup, c'est la forêt amazonienne là-bas. Hein, c'est vrai. Ouais. Je préfère mon côté quand même. On s'est arrêté avant d'aller faire les courses. Mathieu est parti à la pharmacie pour me chercher mon cytirizine pour les vacances. Donc il m'a demandé 4 boîtes puisque c'est des boîtes de 7 jours. Donc il va demander 4 boîtes s'ils ont, parce que comme en ce moment il y a beaucoup d'allergies, la dernière fois ils n'en avaient pas. Donc au pire il me donnera autre chose, c'est pas grave. Donc il est parti chercher ça et des gouttes pour mes yeux, pour quand ça me dévore, j'espère qu'elle va me donner quelque chose autre que du sérum Phi. Même si hier ça m'a aidé un peu, j'espère qu'elle va me donner autre chose que du sérum Phi. Voilà, donc on verra bien. Donc il est parti chercher ça. Pour l'instant on a de la pluie, mais bon, pas beaucoup, vous entendez pas beaucoup la pluie dans la voiture. Et ça grondote un peu, il y a un peu d'éclairs, mais rien de bien méchant pour l'instant, donc ça va. Bon, Mathieu est revenu, on est même devant Grand Frais, mais on attend parce que, comme je dis à Mathieu, nous sommes dans la cellule orageuse. Là, il y a du vent, il y a plein de feuilles qui volent partout, il y a de la pluie, bien comme il faut, des éclairs et tout le tralala. Et en plus, Roxane s'est endormie, donc... on attend que ça passe un peu et après on ira au Grand Frais. Quoi que ça se trouve, Mathieu va y aller tout seul parce que comme Roxane dort, ouais, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Je pense que c'est, je vais attendre dans la voiture et je vais laisser Roxane se reposer. Je pense que le bruit de la pluie l'a endormi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Roxane? Qu'est-ce que tu fais? Tu lis? Tu lis quoi? T'as pris quoi comme livre? Encore la patte patrouille? Ça c'est pour le soir pour le dodo? Ouais, t'as raison mon bébé. Bon bah qui dit centre culturel pour Roxane dit que j'ai regardé des livres. Que t'as regardé. J'ai craqué. J'ai craqué. Celui-là là, ça fait trop longtemps, je le veux. Et j'arrivais pas à le trouver. Et je le voulais avec cette couverture là, donc je suis trop contente. Je l'ai enfin trouvé. Il y en a plein que j'ai envie de lire. Mais je peux pas tout prendre parce que c'est cher des livres en vrai. Hein. Mais bon, 2 déjà c'est pas mal. Sachant que j'en ai plein à la maison que j'ai pas encore lu. J'avais toujours dit, j'aurais pas de pile à lire. J'aurais pas de pâle. D'accord. J'en ai une. Ouais. Sarah elle est en train de regarder un livre là, ça te tâte. Hein, vous que ça te tâte. Alors, vas-y, montre-nous. Je m'en doutais. Mais est-ce qu'il y a des numéros? En fait, je pense que... Sarah, elle a envie de lire ça, mais ça m'étonne pas. En plus, Ozu Roman, c'est un bon truc. En fait, je sais pas parce que là, ça fait comme ça. Donc, mais... Il y a peut-être pas de sens, regarde derrière. Il y a pas... C'est pas écrit tome quelque chose Non. Je pense que c'est un début. Ça se lit un peu dans le... Désordre. Dans le désordre. Mais moi, je pense que ça, c'est de ton âge. Ouais. Après, c'est selon l'histoire que tu as envie. Parce que là, tu vois, tu as Girl Power, là, le Lakmi Challenge. Y a celui-là. Où elle, la soirée des 10 000 cas. Parce que, du coup, elle se fait une soirée live. Une soirée live. Ouais, bah oui, bah, c'est tout à fait toi, ça. Et là, elle part en vacances. Ah, bah c'est toi qui vois. celui-là. C'est quoi celui-là? Les influenceuses et 4 hashtag gagnés en vacances. Non, les formis. Hashtag fort. 4 pour en anglais. Les formis, je pense. Parce que les 4 mi, ça fait bizarre, ouais, les 4 mi. Ouais. Je pense que c'est les formis. Tu veux tester ça? Bon, nous sommes de retour à la maison. Ça va être le moment que je tourne. Le retour de course que je trouve mon trépied, mais ça y est, c'est fait. Voilà. Je tourne mon petit retour de course et puis comme ça après c'est fait et je serai tranquille, c'est parti, let's go. Non, je pourrais effectivement. Bon ça y est, on est rentré. De toute façon je vous ai dit que je démarrais le retour de course, n'importe quoi moi. Le retour de course est tourné, je suis tranquille, c'est fait.
Les courses sont même rangées, comme ça on est tranquille. Hop, je vais me baisser comme ça vous me voyez mieux. On est bien passé à la pharmacie, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai bien mes 4 boîtes de cytérésine, rhinite, allergie, urticaire et tout tralala. Donc ça, on est bon. Il y a une boîte qui reste à la maison, 3 qui s'en vont dans la caravane. Et la pharmacienne a donné... Roxane, c'est un peu fort par contre. La pharmacienne a donné Oftacalm Free. Comme ça, donc c'est un collier pour les yeux anti-allergique qui se conserve 3 mois après ouverture, donc c'est plutôt pas mal. Donc elle a donné ça pour mes petits yeux. Voilà, donc comme ça, ça je suis contente. Ensuite, comment ça s'appelle ? Centre culturel, vous avez vu, Roxane a pris des pâtes patrouilles, je vous ai pas donné les titres, donc elle a voulu un sauvetage glacé. Voilà, donc ça c'est pour la lecture du soir avant le dodo. Et elle a voulu course contre la montre qu'elle n'avait pas encore. On commence à avoir une sacrée collection de la pâte patrouille, moi je vous le dis. Mais bon, ça l'apaise le soir, donc ça me va. Sarah a craqué du coup pour les influenceuses. Franchement, ça a l'air pas mal. Donc ça s'appelle les influenceuses, les formis en vacances. Elle a pris. Je vous lis le derrière. Franchement, ça a l'air pas mal. Nous, c'est les formis. On a créé une chaîne ensemble avec chacune sa spécialité. Louise, c'est la musique. Sacha, c'est le skate. Charlie, c'est le lifestyle. Et Souka, la science. On part en vacances cet été et on vous emmène avec nous au Pays Basque. On va pouvoir apprendre à surfer, profiter de la plage et vous proposer plein de nouveaux contenus. Mais quand on arrive, on découvre que la maison est en zone blanche et qu'il n'y a pas de wifi. Galère quand on est youtubeuse. Pire, le père de Sacha l'a fait exprès pour qu'on passe des vacances déconnectées. Mais il en faut plus pour nous décourager. Avec ou sans internet, on va relever ce défi et aider nos nouveaux amis. Voilà, franchement ça a l'air plutôt pas mal. L'intérieur, c'est... Vous avez des pages de lecture. Donc au début, ça a fait un peu peur à Sarah de voir autant de lectures comme ça. Mais il faut savoir que les petits jeunes de l'âge de Sarah, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien savoir ce que Sarah lit, vous avez des dessins dedans. Par exemple, là, vous avez ce genre de dessin comme ça. Vous avez des pages comme ceci où il n'y a pas beaucoup de lecture. Vous voyez, il y a des dessins, il y a des textos envoyés, etc. Là, par exemple, on a carrément une page où c'est vite fait lu. Il y a plein de trucs. Regardez, il y a des petits smileys dedans. Il y a plein de trucs sympas qui font que la lecture, je pense, passe assez vite. Donc, c'est des pages. C'est un livre de 277 pages, 280, on va dire. Donc, c'est quand même un beau livre. Mais je pense que ça se lit quand même assez vite. À savoir que dedans, vous avez aussi un petit marque-page offert. Voilà, il est là. Donc, il est détachable. On voit les petits pointillés. Donc là, Sarah va le détacher et je vais lui plastifier. Comme ça, elle aura le petit marque-page spécial les influenceuses. Voilà, et on a vu derrière que il y a toute une collection. Donc celle-là, on l'a vu dans le centre culturel, mais il y a aussi premier croche, que ça a l'air trop mignon. Bref, donc Sarah a craqué pour ce livre. Oui. Ah bon, je croyais que tu me parlais. Et moi j'ai craqué pour celui-ci. Eleanor et Grey retrouveront-ils la force de s'aimer de nouveau? Le derrière m'a trop tenté. C'était écrit: lorsque jeune fille, je suis tombée amoureuse de lui pour la première fois. Je ne connaissais pas grand-chose de la vie, mais tous ses sourires, de ses rires et de la sensation étrange que j'éprouvais chaque fois qu'il était à proximité. La vie était parfaite jusqu'au moment où nous avons dû partir chacun de notre côté. J'ai quitté mon premier amour en formulant le souhait de le retrouver un jour. Comment deviner, 16 ans plus tard, qu'en acceptant ce poste de nounou, ce seraient ses enfants à lui dont je devais m'occuper. Ah ! Douleur ! Que mon nouveau patron serait le garçon que j'avais connu par le passé et qui était devenu un homme froid, solitaire et détaché de tout. Pourtant, dans son regard tourmenté, il m'arrivait d'entrevoir celui qui autrefois souriait, riait et avait ravi mon cœur de jeune fille. Et il ne faisait aucun doute pour moi que ce garçon-là valait la peine qu'on se batte pour le retrouver. J'espérais à mon tour laisser une marque sur son âme. Ça a l'air trop bien. Voilà. Donc, je l'ai pris, voilà, pour les vacances, hein, clairement. Et comme je vous l'ai dit, donc c'est de Brittany
C'est chéri, je connais déjà cette autrice. Et ce livre, il paraît, il fait pleurer de fou. Je l'ai vu plein de fois sur le BookTok. Pendant des années, j'ai imaginé ma vie universitaire à Evix University, mais surtout ma vie avec lui. Lui, c'est Chase, le meilleur ami de mon frère, pour qui je nourris un amour profond depuis notre toute première rencontre. Et si je m'évertue misérablement à cacher mes sentiments pour ce sportif si convoité sur le campus, j'ai toujours pensé qu'un beau jour, mes sentiments seraient partagés. Ils le sont d'ailleurs, j'en suis persuadée, c'est bien pourquoi il était mon avenir, jusqu'à ce qu'un jour tout bascule. Qui aurait pu croire qu'un coup de ballon sur la tête allait bouleverser mes plans ? Et il paraît qu'il fait pleurer de faux. Voilà, donc ce livre, c'est de Megan Brandy, ou Brandy, je ne sais pas comment on dit, par l'auteur best-seller d'après USA Today. Il paraît, c'est une tuerie, ce livre. D'ailleurs, c'est ma prochaine lecture, j'ai trop hâte. Voilà un petit peu les achats plus en détail que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je vais me poser un peu parce qu'il est 18h30. Donc, j'ai une petite demi-heure pour vaquer à mes occupations. Puis après, on mangera un petit bout de saucisson. Hop, nous avons mangé. J'ai eu Nani au téléphone entre deux. Mathieu a eu sa mère aussi au téléphone. Donc voilà, c'est fait. Là, Mathieu est en train de jouer un peu aux jeux vidéo. Attendez, je ferme l'armoire parce que ça me turlupine. Moi du coup j'ai fini mon livre, donc c'était Jeu insolent de Emma Grind, donc il y en a 4, donc le prochain ça sera Jeu imprudent, je crois que c'est ça, mais que je lirai pas tout de suite. C'est pas un de mes livres préférés, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que l'histoire se décantait qu'à la fin en fait, et donc du coup là je suis un peu restée sur ma fin parce que j'ai envie de savoir la suite, mais si c'est aussi long que le début, enfin voilà. Bref, donc je ne lirai pas tout de suite. Oh, je ne lirai pas la suite tout de suite. Là, mon prochain livre, c'est celui-ci, Say You Swear, que j'ai acheté tout à l'heure. Je l'ai téléchargé sur Audible, comme ça, en fait, je peux l'écouter partout. Même quand je fais mon diamant painting, je peux écouter mon livre et ça, j'adore. Je sais que là, demain, c'est ce que je vais faire. Je vais faire mon diamant painting tout en écoutant mon livre. Et ça, j'adore faire ça parce que c'est mes deux passions. La lecture et le diamant painting. Et les deux combinés, c'est trop bien. J'adore. Donc, je suis trop contente. Je peux pas le faire avec les Emma Green parce que les Emma Green sont pas sur Audible. Donc, Emma Green, c'est soit je lis, soit je fais mon diamant painting. Et voilà, faut que je choisisse et ça me saoule. Là, j'ai pas besoin de choisir. Je pourrais même écouter sur la route pendant les vacances. Et l'autre, c'était quoi que je vous ai dit que j'ai acheté là? Truc et gré, je sais pas quoi. Comment ça s'appelle? Ah, je me rappelle plus. Il faudrait que je regarde si mon deuxième livre y est. De toute façon, j'ai aussi The Bucket List que j'ai déjà à la maison qui est sur Audible, donc je pourrais le mettre aussi là. Ouais, j'ai pas mal de livres sur Audible que je pourrais mettre en écoute, et ça j'aime vraiment bien bien bien. Donc prochain livre, ça sera celui-là, donc je le laisse dans la chambre. Voilà. Donc ça c'est fait, c'était la liste de courses qu'on avait besoin au Leclerc. Là ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu notre défi des 52 semaines, puisqu'on a fait sur Instagram le défi des 52 semaines pour mettre de l'argent de côté, voilà. Et aujourd'hui nous sommes lundi, donc c'est le jour de mettre de côté, donc je vais faire ça. Et après, il faudra monter le vlog et monter le retour de course. Et je le redis pour que bien vous compreniez, vous n'aurez pas aujourd'hui le vlog et le retour de course pour vous aujourd'hui. Voilà, pour moi c'est demain, mais pour vous c'est aujourd'hui. Vous aurez une vidéo par une vidéo. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, pour vous, vous aurez cette vidéo. Et demain, toujours pour vous, vous aurez... le retour de course. Comme ça, moi demain, je ne vlog pas, entre guillemets, mon travail est déjà fait, et comme ça demain je vaque à mes occupations sans me préoccuper qu'il faut que je filme en même temps. Voilà, donc je suis plutôt contente. En plus, demain
Justement, je crois que je commence à charger un peu la caravane parce que vous avez vu, aujourd'hui, j'y ai pas été. Je me suis dit, tu n'y vas pas. J'ai été un petit peu ranger les deux, trois affaires, mais j'y suis pas allée parce que je veux pas que vous ayez non plus que de la caravane. Donc demain, comme je filme pas, je chargerai probablement les habits des filles ou les... Ouais, je pense que ce sera les habits de Sarah et Roxane. Comme ça, demain, on est mardi. Mercredi, je vais voir Micheline, donc j'aurai pas le temps d'aller à la caravane. Jeudi, j'ai ma belle-mère qui arrive. Vendredi, on va au lac. Samedi, je sais plus. Dimanche, je sais plus. Lundi, caravane à fond les ballons, parce qu'après on partira. Donc il faut absolument que dimanche ça soit clôturé, parce que lundi, en gros, il va y avoir les dernières courses, les derniers trucs de la caravane, l'essence, les niveaux de la voiture, blablabla. Donc il faut que dimanche la caravane soit finie. Donc demain je vais me poser un peu dedans. Mercredi je peux pas. Ah non, dimanche je peux pas. Je suis avec Micheline et Yvon. Il y a la fête de leur comité là. Et j'ai promis à Micheline que j'allais la voir là-bas. Et je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Elle m'a dit oublie pas, dimanche tu viens me voir avant que tu partes et tout. Tu viens voir Yvon et tout. Donc dimanche, non, pas possible. Donc il me reste demain. Alors demain on est mardi. Pas mercredi, il me reste demain et jeudi, il me reste 2 jours pour remplir la caravane. Donc c'est-à-dire 1 jour pour mettre les affaires de Sarah et Roxane, 1 journée pour mettre mes affaires et celles de Mathieu. Donc ouais, et il faut que je nettoie encore le frigo qui va dans le auvent. Il faut encore qu'on fasse les 2-3 courses qu'on mette qui vont dans la caravane, parce que du coup on n'a pas eu le temps aujourd'hui. Ouais, j'ai encore plein de choses à faire en vrai. En vrai, j'ai plein de choses à faire. Bref. Passons. Donc je vous laisse là les amis, je vous fais tout plein de gros bisous, merci d'avoir regardé ce vlog, je vous dis du coup à demain pour le retour de course et on se retrouve après-demain pour un vlog. Je vous embrasse fort les amis et surtout abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, on arrive proche des beaucoup de gens. On va faire un refresh des abonnés, nous sommes à 4000 beaucoup. 4782 abonnés. On approche des 5000 quand même. 5000 abonnés. C'est énorme. J'ai l'impression que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je suis trop contente. C'est beaucoup. Donc n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on approche des 5000. Je vous fais tout plein de gros bisous. Merci d'être là. Merci d'être vous. Merci d'être aussi... gentil. J'ai pas le mot. Aussi avenant aussi. Non, comment on dit ? Compréhensif. Aussi compréhensif. Je vous embrasse fort fort et je vous dis à demain. Ciao les amis.